Bonsoir tout le monde. Jean-Pierre Gérard, la Société médicale de l'Institut Adoxon qui est en train de renaître. Et François Finkier, qui est au fond et qui ne veut pas parler, qui est derrière la caméra, est en charge des programmes. Alors il peut paraître un peu paradoxal, François, que tu demandes à un chirurgien d'inviter quelqu'un qui fait tout pour qu'on n'opère pas les gens, hein, parce que c'est un peu le sujet du soin. Mais enfin, ça va quand même être sûrement très intéressant. Alors, moi, je suis très content de t'accueillir pour une raison assez précise. Il y a une quinzaine d'années, pour ce même sujet, j'avais convié maître Jean Papillon et qui m'avait répondu tout à fait favorablement. Et j'avais dû, pour des circonstances complètement extérieures, très très loin de mes volontés, l'annuler. Je l'avais annulé le rouge au front 48 heures à l'avance. Alors aujourd'hui, ben, tu annules pas la chose et ça me fait bien plaisir. J'ai écouté ton topo à Lyon en mars dernier, je crois. J'ai trouvé tout à fait remarquable et j'ai souhaité que tu le refasses, tu as accepté. Je te remercie. Marc Papillon, que tu connais bien, qui est le fils du promoteur de la méthode dont on va parler, devait être là ce soir, il n'est pas. L'enfant se passera de lui, puis il connaît le sujet et on lui racontera. Alors, vous savez que quand on prend un micro devant des gens, dans une seule occasion, on a le droit de sortir un papier. C'est quand on veut parler de l'orateur qui est invité. Parce que si on ne sort pas le papier, on oublie les choses. Alors je vais faire vite quand même. Je suis assez irritable si on oublie tous les titres. Alors là, je prends un peu de distance parce que je veux le faire court. Hein. Ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Girard vont apprendre que c'est un cru de l'université lyonnaise, puisqu'il a été interne en promotion 70 ou 71, je ne sais plus trop. Il faudrait que je demande à Vincent Ballard, qui est ton compte. 69. Je n'ai pas connu mes 68 parce que j'étais au Canada. Voilà. Je suis rentré en France, je ne comprenais plus le film. 10 ans plus tard, il était déjà PUPH, c'est-à-dire professeur, et chef de service en 80. Chef de service de radiothérapie. Et ensuite, il a été doyen de la faculté du Mont-Sud de 90 à 2001. En 2001, Marc Papillon m'appelle et me dit « J'ai un élève de mon père qui descend à Nice, il faudrait que tu t'occupes bien de lui. » Alors, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour m'occuper de toi, tellement tu as été occupé, puisque tu as été directeur du Centre Lacassagne de 2001 à 2009, président de la Société française de radiothérapie oncologique en 2004 et 2005, si j'ai bien lu, président de Oncopalca, pendant quelques années aussi. Tu es l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit toi qui les ai écrits. Cancérologie pour le praticien. Oui. Guérir sans mutiler. C'est toi aussi. Un des plus grands échecs de la littérature médicale. J'en ai vendu 10 exemplaires. Oui, mais d'ailleurs. C'est dans ma famille. Sur Internet, vous pouvez le trouver à 1,45€. Faut-il avoir peur de la radiothérapie? C'est toi aussi? Non, faut-il avoir peur de la radioactivité? Pardon, de la radioactivité, je le dis. La réponse est non. Bien. Voilà, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, Jean-Pierre Gérard est consultant au Centre Lacassagne. Il y a un certain nombre d'autres titres et reconnaissances hors frontières, mais enfin, là, ça serait trop long. Je vois que tu as quelques acquaintances avec l'EDF aussi. J'ai vu que tu es expert. Il ne faut pas avoir peur de la radioactivité, parce que l'EDF, c'est l'électricité pas chère, c'est français, c'est la substance blanche française. Et j'ai vu avec plaisir que Mme Ségolène Royal avait la bonne idée de relancer le programme nucléaire français. Voilà, je te donne donc la parole. Ça va nous intéresser. Je voulais que vous fassiez un topo alors sur les. Mais c'est pas le sujet. Peut-être on comprendra mieux à l'issue de cette soirée pourquoi la technique dont tu vas nous parler est finalement si peu utilisée en France. On verra d'autres thérapeutes ici, mais ils ne font pas ce que tu fais. Pourquoi on en fait aussi peu? Est-ce que c'est une question d'appareil? Bref, je te donne la parole. Merci, mon cher Jean-Claude.